Allô, allô? Oui, hello. Oui, bonjour, nous avons le frère Mac Landry Matongo, un révolutionnaire. Zigzag Geoff, t'as ça comme exploité Calambiso, mais comme dit Michaela Kendon, un commentaire, je sais pas, monumental là. Mac Landry Matongo, mes salutations. Abusé. Si là, Sintangola, Ah, tu as trop posé les questions, hein? Ici, c'est moi qui les pose, hein? Bonsoir, Denise Yagadia. Bonsoir. c'est juste une parenthèse en fait. Hein? Est-ce que tu me donnes mon nom dans le zoo, c'est-à-dire que Il t'a suivi, Matongo. T'es là, qu'est-ce que tu m'en vas? Attention, vous avez attention qui a mon sujet, ils ont acquitté un petit cordon parce que il faut un Sud-Africain, il nous a passé. Parce que Sud-Africain, il y en a beaucoup sous mis à l'événement, ils sont gagnés par rapport à la crypto-monnaie, et puis là, ça a touché comme 70 euros. Il faut expliquer à peuple Sud-Africain. Alors, peuple Sud-Africain, nous savons très bien qu'il y a un problème de 77% d'analphabètes, et nos autorités, c'est-à-dire que nous sommes porte-parole à la santé d'un peuple Nappé. Et là, à expliquer d'un peuple Nappé, à du principe peuple Nappé, si l'affaire basée justice, parce que c'est quoi basé ça? Mon gars, à valider minier, à protéger minier, ou à yéki minier, et à dire quoi? Bon, t'as pas mis de monde, mais Dieu a échoué. Mais je vais te dire, je vais pas te corriger quoi que ce soit. Après, c'est la liberté de penser, mais t'as pas bien changé, mais bon. Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a laissé le libre choix de choisir le bien et le mal de mots différents. Oui. Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est que l'attitude la de Dieu, tout le monde est où, mon Oui. grand Dieu? L'attitude de Dieu, mon gars, vous me posez la question, moi, on prend la demande à son avis. Est-ce qu'on dit ça? Parce que là, il faut pas comprendre. Ceux qui foutent, parce que dans l'histoire, ce qu'ils se sont en hein. Mais moi, si tu remarques bien, mais qui posait question pour savoir. Alors, c'est pas comme Midatia opposant, parce que Midatia posait qu'à ce question-là opposant, mais qui a interpellé gars. Parce que le peuple a tellement souffert, il veut savoir là où aujourd'hui on va. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Alors, il faut démontrer aux gens par A plus B pourquoi ils sont pour. Pourquoi monsieur Poster, accroche-toi là, il veut modifier la question. Pourquoi aujourd'hui la crypto monnaie, c'est la seule as de la country. Bon, là, dans la vie c'est un choix comme dit Evelyne Thomas. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas, je suis centrafricain. Aujourd'hui, on va s'aider justice à Kondoti, à sa justice, pas terminer à sa justice, pas terminer Donc, c'est tout ça qui fait que gangrené, amené à qui va terminer la paix, à la prise de la paix. C'est pas tout le monde qui parle avec la vive voix ou de critiquer. Moi, je dénonce ça, je critique pas. Mais bien, il m'a posé mon question de type, il m'a posé mon 5 questions, mon point de la Bon, Aïcha, par exemple, il a interpellé quand on les égalités de tout ce monde qui nous dirige là. Ouais. Alors, ils ont compte à nous, parce que nous sommes des centrafricains. Si aujourd'hui, à Gazon, bien, voilà, je dis, même aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment cette histoire de crypto-monnaie. Agan et Ibati, avantage d'inconvénient. Parce qu'il y a quoi? Inconvénient dans Monte Cobain. Même au Kiwan, il y a quoi? Inconvénient dans. Donc il y a toutes choses. Inconvénient dans Intérêt dans. Mais là, ici, il y a à expliquer. Il faut se faire demander à Biki et des métiers pour l'entendre des rappels. Si on défend des réseaux, Biki sont africains. Biki se sont pas mis de même billets, là, ben non. Biki tenait à expliquer pourquoi ce genre de Je n'ai famille. pas besoin de le défendre, hein. Je soutiens Non. le pays. Autant pour moi, autant pour moi. Merci pour Merci. parler la langue de Molière. Tu me soutiens, mais dis-toi qu'en face de toi, la démocratie, chacun a dit de dire son oui ou pour ou contre. Même moi, ce que je dis, le président d'Obéras, ce qu'il a emmené comme crypto-monnaie, je suis pour. Mais il y a un sérieux problème, 77% d'analphabètes. Il faut faire comprendre ce qu'on fait. Tu tiens ce chiffre-là d'où? Pardon? Le chiffre-là, tu le tiens d'où? 77% d'analphabètes, là, tu le tiens d'où? Parce que tu le chantes un peu partout, là. Alors, nous savons très bien, bon là, bon, là, en fait, je me tiens d'où, en fait, c'est par rapport à cette histoire d'année blanche, en fait. Moi-même, je vais sortir ça, mais je sais qu'on a un sérieux problème dans le pays. On nomme les gens par complaisance, alors que beaucoup, ne passent pas par une histoire, passer par concours appel, ou Victorien tu dit choisis une autre chose. le thème du live, monsieur. Victorien exige que Ah, nous mais le puissions thème du live, rester je dans me le suis thème. le thème du live aujourd'hui, le thème du live par rapport à la gestion de ces crypto-monnaies. Je suis pour,
Je suis pour, il faut le dire. Mais le problème, c'est que je viens de dire, on a un sérieux problème. Je ne veux pas parler de l'eau, l'électricité, l'histoire d'Internet au début, parce qu'il y en a souvent qui ne connaissent pas cette histoire de manipuler leur téléphone Android ou cancer. Alors, si Mitterrand ou les maires, Aziz Gramini, il faut expliquer la peuple, parce qu'un député a voté loi, a expliqué la peuple à des gars touchés constitutionnels. C'est là que parce, le mal blesse. Parce que le peuple venu à boire dans ça, parce qu'il y a un fanat, donc Mitterrand, a fait des crypto-monnaies. À expliquer le peuple parce que nous avons 77% de la valeur. Tu me fais comprendre que. Et tu es sûr que ça n'a pas été expliqué? Tu as enquêté là-bas sur le terrain? Il y a 10 ans de cela, on dit qu'à mon vidéo, on dit qu'à 10 ans de cela, on n'a pas compris les Andorviens. On n'a pas compris les Andorviens à réussir le 77%. Moi je dis, parce qu'il y a beaucoup de Andorviens qui ont pu me remarquer que venir, ni si tu as expliqué, tu as expliqué la banque qui même ceux qui ont passé l'année récemment sur la Ledger, si tu remarques bien, à certaines assemblées, à expliquer, parce qu'il y a des Andorviens en français, mais. Vous avez dû raison à expliquer à députés qu'est-ce que par rapport à la bénéficie crypto-monnaie. Mais on n'a pas expliqué, enfin, inconvénient à la main. Et puis, c'est un traducteur à la main. Et tout ça, c'est que c'est ça le problème. Parce que tout le peuple, on dit que le pouvoir, c'est le peuple. Parce que la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Mais qui te dit qu'il n'y a pas des équipes qui sont en train d'être mises en place afin d'aller expliquer à la population? Est-ce que tu es au courant ou bien, je ne sais pas, mon mami, t'es même. Ici, on vient d'avouer la salle dernière, parce qu'il faut voler la face. Vous m'avez dit qu'à Kinshasa, il y a 10 ans de cela, ils sont en train de comparer. Ils sont en train de comparer en quoi? S'ils sont en train de comparer, après, il a arrêté un coup de promesse, il y a 10 ans de cela aussi. Arrêté un coup de promesse, il y a 10 ans de cela aussi. Arrêté un coup de promesse, donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi vous m'avez dit qu'à Kinshasa, il y a 10 ans de cela. Mais il y a 10 ans de cela, donc, elle dit qu'ils se sont comparés, mais le peuple, non. Parce que dans toute chose, un député, là, ils sont voté avec Bézi Matien, à Gazilin, à Sadler, à lui, vous êtes la voix du peuple. Si vous me rendez compte que, à ça, il y a un peuple là où on appelle. Attendez, français, peuple là, ma mère, je vois ma France à mère. Et puis la France est française. Et je répète encore une fois, ce que je dis à ma mère. Miki, à opposant Tiwa, tout ça, c'est sûr, opposant de la mère. Miki, interpellé, gars là. Miki, mais là, à qui ça, si là, ce qu'on a dit, on a dit, bouffre le feu. Et puis, si peut-être qu'on a dit, mais à qui ça, il faut avoir l'esprit de patriotisme. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on a combien d'appui à qui peut. C'est à qui peut être utile, un sujet d'élève, un sujet d'élève. Mais il faut lui donner ça petit. Et puis, ce qu'on a dit, pas la maille aussi. Parce que moi, quand j'ai étiqué, mais moi, la question que je voulais te poser, c'est quoi? Est-ce que Miki est selon? Miki est mal élevé, mal éduqué. Parce que les gens, quand tu défends quelqu'un, et quand tu dis que moi, interpellé, Zoni, à garde des rédits, Zonga, si c'est un mot là, ma petite, est-ce que Miki Zonga Kazo, s'il te plaît, je ne connais pas avec lui. Je ne sais pas où tu te balades, je ne sais pas, là où tu circules, là où tu circules, que tu as un sujet ou pas. Je ne sais pas. Mon sujet est à l'air. Mais me rends compte que moi je montre la vérité. Attends, vous foutez rien. Vous disiez ce qu'on appelle. Parce que quand quelqu'un vient sur ton live, il n'y a pas beaucoup qui viennent sur ton live. Mais là, je regarde, il faut débattre en bas, débat d'idées. Mais mettez en tête, c'est pas tout le monde qui fout rien. Et le long de voir rentrer dans la vie privée des gens raconter dans des. On va aller nous sur la maison. On va aller nous sur la maison. Est-ce que moi c'est insulté une fois? Alors il faut que. Mais t'es c'est parce que la menace, Zoada, elle avait tendance à moi, la dernière fois avec la sister, Michael Kendom, elle a compris. Parce qu'elle et moi, on s'est appelé, on s'est enfin d'en parler. Parce que Mibani, Bétine, tu appelles. Donc, Ami, ce sont des coq à l'âne. Ah, excusez-moi, t'as mis. Mais c'est ça ton défaut, en fait. Tu sautes de coq à l'âne. Donc, si on te met face au président, on te pose une question, on te donne 5 minutes avec le président pour la dire, tu vas l'embrouiller. Si la petite tu me donnes à Zosu, elle a soutenu MCU. À Zosu, elle a dit, je suis venu MCU, elle a dit, je suis venu tous les gars, c'est un américain sur moi. Il m'a dit, lucide, elle a dit, mais il a interpellé qu'elle soit à opposant, qu'on a dit, ils ont, à ça, ils ont l'air de me battre à Faka. Je ne vais pas me justifier, mais bien évidemment, il faut que ça débat. Il faut la Azza, à Malgam, tu connais à Zosu, à Kali, à Gada, à Gada, à Démon, à Gada, à Chonazo. Mais patriote, j'ai un esprit, il est solidaire à vous battre. Est-ce qu'on va passer sur vous? Tu sais pourquoi nous sommes divisés pour. Parce que, il est solidaire à Gada, il est à des crypto tout. Mais nous savons, nous avons sérieux problème dans le pays au niveau d'éducation, au niveau de l'infrastructure, de la société internet. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Mais ce soir, nous avons fait un macro beaucoup de le rythme de la pays, ou le de la vie, le pas bien. Donc, à un moment, il faut que l'on arrête, on doit se dire les vérités en face. Alors, moi, je ne suis pas un poli, mais qui a un poli à peine. Parce que je me rends compte que c'est toi et peut me pousser la main à Zoga. Je le dis pourquoi parce que. Pardon? Je le dis pourquoi parce que tu sais, moi, mais moi, ça parle. J'ai pas compris. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que le problème de nous, ça parle trop. Et ça parle pour raconter, pour descendre l'autre, pour dénigrer l'autre. Je te répète sur ton live, c'est ton live que je respecte. Oui. Moi, je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un, je n'ai jamais insulté le bonhomme de l'Ira, ce n'est pas peine. Oui. Quand je veux dire, je suis guéri de sa mère, mais
casserole. Des fois, il ne me reprend pas. Il me prend pour un enfant et pour le Dieu. Je ne dis pas la police, mais pour les guérisons. À tout mettre ce qui est capable. Je suis centrafricain. Si je viens pour toi, je dis je suis pour le crypto-monnaie, mais il faut expliquer aux centrafricains comment ça va. Mais pourquoi tu es pour? Donc voilà. Pourquoi tu es pour? Alors, je suis pour pourquoi? Ah, justement, tu vois, c'est cette question que vous posez à mon cœur. Comment tu reprends de la vie? Tu m'as dit, c'est quoi le défaut de Touadéra? Tu ne reprends pas. Moi, je vais te reprendre. Tu m'as demandé, c'est quoi le défaut du président Touadéra? Je t'ai répondu que. Je t'ai répondu que c'est sa beauté. Voilà. Mambisi, je t'ai répondu qu'il est trop beau. Voilà son défaut. C'est que Baba la Pendremi. Je t'ai répondu. Non, c'est pas un défaut. Non, tu me vois quoi? Demande à ZZJF. Ma beauté est en train de le faire tomber KO. Merci. Je t'avais posé la question, je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Tu vois, tu me poses une question, je te réponds. Tu vois la différence avec toi, c'est ça. Il faut que la démocratie, il faut que vous, hein, quand tu supportes quelqu'un, il faut que tu vérité, il faut pas être un roi, c'est pas comme ça. Ah non. Quand on supporte quelqu'un, on ne dit pas les vérités en public, en privé, au contraire. Ne prends pas tous les centrafricains, ne prends pas, nous sommes en démocratie. Heureusement. Ça doit s'arrêter. Ah, heureusement, mais en attendant, il faudrait que vous, les gens de MCU, je suis centrafricain, je suis un patriote, j'ai des esprits patriotiques. Voilà, Kelly, tu as raison. J'ai toujours condamné l'histoire de ces enfants violés par les sangaristes. Et on a tué les facas, je me suis mouvé pour mon défendre. Alors, je ne veux pas perdre à qui ce soit, parce qu'on tue les centrafricains, il y a des veuves, des enfants. On dirait que tu es en pleine cure chez moi, hein, mon cher. Pourquoi tu soutiens la crypto-money? Les centrafricains, c'est pour ça que. Il faut qu'à un moment, nos cris de cœur là. Je fais le 8 heures de live, je ne sais pas parler pendant 8 heures. C'est pas moi, c'est les Américains qui en parlent. Alors, il y a des choses. À un moment, il faudrait qu'on arrête à jouer à l'hypocrisie. Trop d'hypocrisie tue l'hypocrisie, trop d'ego tue l'ego. Alors, c'est la guerre des positionnements. Pourquoi nous, en tant qu'immatériel, pourquoi nous ne sommes pas unis, comme le cœur uni aujourd'hui, vous êtes mais tous. Mon cher, pourquoi tu soutiens la crypto-monnaie? André, là, tu es en pleine thérapie chez moi, là. Moi, je ne suis pas psy, hein. On dirait que tu es en pleine thérapie. Reste sur un thème, mon cher. Pourquoi je viens sur ton live, je te parle comme ça? Non. Parce que voilà, ça m'a fait ma mère de son live, si mon élève avait. Voilà, il est loyal dans son combat. Tu as dit, toi-même, même ma petite soeur, tu ne dois pas témoigner. Moi, je ne suis pas un coup de valise. Ah, c'est ton témoin. Je ne suis pas ton témoin. Alors, moi, je cause avec tout le monde, je ressens tout le monde. Et nous sommes centrafricains. Nous ne sommes pas des Bandas, les Yakoma, les Sango, les Maramandia. Nous sommes vraiment passeport centrafricain. Même peu importe, quand on est rwandais, il a un passeport rwandais. Mais en attendant, quand on s'y avant tout, il doit défendre quand on s'y. Si je me permets de venir sur toi, là, il faut être centrafricain. Mandela, il a donné, voilà le centrafricain qui aime son pays. Mais dis pas que tout le monde s'en regarde, il est son pays. Il y a des gens qui donnent leur. Donne ton point de vue. Alors, moi, Bisson, je viens sur toi, là, pour dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je soutiens par rapport à la identité crypto-monnaie. Enfin. On t'aime bâti, un billet, une bâti. Vous savez, moi, ben, Zoukola, qui a toi, ben, Zoukola, il y a un de la paix. Puis ça, vous savez quoi, petit, il y a de la paix. Ils sont pour ça, ça va m'aimer, ça va m'aimer, là, il y a de la paix, moi. À des moments, vous tout à gloire. Alors, en bas, Nicolas, quoi, il y a, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis tout manipulé. Et je répète encore sur ton live, le 8 heures de live, là, c'est pour réveiller les consciences. Et là, c'est parce qu'il y a deux personnes qui sont venues sur le live, qui ne sont jamais intervenues sur le live, ils ont parlé. Il faut que ça amalgame un peu. Ce soit des fois qu'on a su les osos, on était près du but, hein. Pourquoi tu soutiens la crypto-monnaie? Aïe! Excuse-moi, ma soeur, vraiment. Moi, quoi, Migo est là-bas. Bon, bref. Ça, moi, est préliminaire, hein. Maintenant, là, t'as la petite désordre trop. Pourtant, pour moi, je m'excuse pour ton live. Je m'excuse, mais bon, arrête d'être mes oreilles. Il faut y classer la ménalité derrière son oreille. Il y a qui marque Laurie Mato. Parce que le problème, c'est que là, j'arrive à mon bras, t'es à vous battre. Ah, je vais raconter. C'est pour ça qu'il me dit, éclaire ça l'outil avec moi. Parce que j'ai que, il y en a beaucoup qui me suivent aussi, mais qui savent que je suis loyal dans le combat. Je reste noble, je reste dans le toit de mes bottes. Mais pour ce cours, vous êtes amené à dire un peu, mais t'es mis qu'à vous avez vu. Alors, je reviens sur le sujet. Le sujet, c'est à quel sujet celui-là, c'est débattre des lèvres. Il faut se dire, ah, négatif, quand on a maïté, baba, tu as dirigé, ah, je suis bon, j'ai vu un dire, mais pas, ceux qui sont au gouvernement, à la malade des matières et tout. Il a sauté pourquoi? Parce que nous savons très bien que depuis des décennies, il connaît l'histoire sur Ignati, esclavage moderne. Je suis en France, je suis centrafricain, peu importe, j'ai la nationalité française, ça ne veut rien dire. Mais qu'ils ont fait bien contre Sini. Parce que je vois des mamies là tout au long, des soupes de son bien contre Sini. Moi là, il m'a dit une mamie. A moi, il a piqué un papa, il a changé mon métier, il n'a pas autant. Sauf qu'il a encore joué l'année bien. À ça, il a dit qu'il est. Ah, je dis quand on dit, ah, coucou, on dit, voilà, on a dit qu'il ne peut plus dire béni, oui, oui.
Moi, j'ai toujours dit haut et fort, ceux qui m'ont coupé, qui savent qui est ma Chloé Matongo, je n'ai pas changé. Je n'ai pas froid aux yeux. Qui que ce soit, la première, mais comme ça, c'est ma peau. Vous pouvez me dire, papa, papa, là, on prend la mine à l'avion. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai commencé à crier depuis, j'ai l'habitude d'écrire. Ok, donc, en conclusion, tu es pour la crypto-monnaie, tu soutiens. Merci. Mais, je vais expliquer aux Africains. Donc, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu ne voudrais pas faire partie d'une délégation pour aller à Ndelea Birawo expliquer? Est-ce que tu ne voudrais pas descendre sur le terrain quand même pour aider à expliquer ou bien tu vas rester ici à le faire? Mais comment voir, comment expliquer là sur Africa Crypto, on a gagné en plus qu'ils n'ont pas là-bas la connexion internet. Est-ce que tu peux aller sur le terrain pour aller expliquer aux gens par amour du pays? En fait, je te cache pas, avec ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est si les langues de bois disent, ah, ils ont battu des rats, ils ont bongué de la gofa, ils ont là. Oh, ça, Vanilla. Non, attends d'abord. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce petit jeu. Ça, c'est Aquatim Lab. Non, mais après quoi? Aquatim Lab. Moi, j'ai ça, je dis aux réseaux sociaux. Il faut étudier uni. Uni dans le sens que il y a son papier, il y a son ça, des réseaux. Il faut y donner étudier encore. Bon, quand même, on est là à avoir des quand tu connais oui. Je le ferai, mais je ne le ferai pas dans ce sens que tu es demain. Bon, ça, c'est une négativité, il y a tellement de choses. Alors, bien là, je suis tourné, mais il faut aller à ça, demain, à sensibiliser son graphique, à expliquer les inconvénients, bon côté, la mauvais côté. Parce que dans cette histoire-là, à Goku, à Timac, parce que beaucoup de gens, c'est des mafieux. À demain, ils bandit déjà le clan. Je donne des autres tuteuses, voilà, donc il y a plein de choses. Donc les Africains, ils savent pas ce qu'il a où on nous emmène. Il a faussé dans beaucoup de choses. Et donc, métier de là, il faut expliquer à son Africain. C'est là qu'on peut savoir que voilà, ça veut au moins Haïti exilé, parce que Haïti exilé, ils veulent défier le CIPA. Parce que beaucoup de gens disent que non, c'est pour c'est des marchés déjà, c'est tout un tas de faussetés en fait. Donc, merci. Parce que sans cette histoire, on va la mettre en vidéo. Merci. Merci, au revoir. Envoyez des pouces et des cœurs pour le frère Marc Landry Matongo. Ah, sa révolution, là, la quoi? Non. Rodeya Gaïewa, merci beaucoup. Salutations directes du Bénin. Quand on est révolutionnaire, là, est-ce qu'on peut fuir la mort comme ça? Il faut être, il faut foncer, il faut être comme Kémi Séba, hein? Abouloka, Aboulogé, Afaka, Afagé, Afaka, Afagé. Oh là 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 là. Il y a des commentaires là de Aqua Ernestine, bon, c'est un peu long. Hop, ah, mais t'es le président, toi, des Rafa, là, mais comment ça? Mais aller mourir pour le pays? Dis donc, allez, gars, martyr à peine. À quoi dit, il répond à Bertrand Balenguer au prix d'esclavage de soumission à un vieux colon, c'est la douleur que nous, panafricains, vivons tous les jours avec notre beau pays, la Côte d'Ivoire, vendu aux oligarchies occidentales. L'Ivoirien n'a pas de voix dans son propre pays, c'est ce qu'on vit actuellement. D'autres, avec la complicité de la France, ont braqué notre beau pays. Heureusement que toute chose a une fin. Je crois que c'est un Ivoirien, une Ivoirienne qui vient de mettre ce commentaire. Merci beaucoup. Eh, mon live là, il va encore te dire voilà là-bas. Matongado, ah, t'as pas mis ligne à faire. Mais c'est ici qu'il a voulu beaucoup parler. Ah là, ça fait nos frères là, hein, vraiment. Merci beaucoup, Sista Aqua Ernestine Adjafi. Que Dieu te bénisse encore. Itachimbi Matongo. C'est-à-dire que si tu es face comme ça au président, dans 5 minutes, il va te mettre KO. Comme il a fait à Lyon. Il faut apprendre à être précis sur un dossier. Là, tu as beaucoup parlé, mais tu as tout mélangé et c'est pas bon. Tu as parlé, je crois, pendant 17 minutes. Ailleurs, on t'aurait donné peut-être 5 minutes face au président de la République. C'est comme là, Dieu apparaît, te dit, dis-moi ce que tu veux, je te donne tout de suite. Et puis, tu vas commencer à dire, je veux ça. Il te dit une chose seulement. Une chose, comme le roi Salomon a fait. Oui. Tu peux appeler Kelly, tu veux appeler en quoi? Par WhatsApp ou par vidéo? Dis-moi, ma nièce, ma cousine, pardon, Kelly Beckett, tu veux appeler comment? Dis-moi quel mode d'appel tu souhaiterais. Matomo le cesse de me demander c'est quoi le défaut du président Touadéra. Claise a dit là-bas qu'il y a eu 5 questions sans réponse. Non, Claise, il m'a demandé, appelle voice comment? Par WhatsApp? J'ai pas ton WhatsApp, Kelly. Toi et moi, c'est Messenger. Kelly, par Messenger ou bien comment? Jeanne appelons.
Kelly précise, parce qu'avant que je prenne un autre, ah, il y a un décalage horaire de là où tu es en Amérique là. Tu m'as dit, c'est quoi le défaut du président? T'as dit, le défaut, c'est qu'il est trop beau. Ça aussi, ça peut être un défaut. Et puis, voilà. Ah, par Messenger, ok, d'accord.